Hello les amis, Mitrapement Nintendo Alert. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Et on a lancé une quête à la recherche d'un foyer, donc qui implique Reset. Alors, si vous n'avez pas regardé nos précédents let's play, donc Reset, c'est un nouveau héros qui me fait énormément penser à Poppy. Bon, dans sa façon de s'exprimer d'abord, et puis bon, vous voyez, elle est dans un espèce de robot, comme pouvait l'être Poppy dans le 2. Bref, on part dans sa quête. Je vais vous montrer quand même où on se trouve, au cas où. Donc voilà, fin de l'ascension. Et on est au chapitre 6. Pourquoi est-ce que ça se déclenche pas ici? Avec Gondor. Alors peut-être que... Ouais, tout simplement... changer l'heure, elle doit dormir. Voilà, donc ça aussi un petit tips, hein. Si vous voyez que vous arrivez au point et qu'il n'y a rien qui se passe et qu'il fait nuit ou peu importe, changez l'heure. Allez, donc Gondor s'est levé. Elle est toujours hyper sympa. Alors, cellule centrale. Hop, voyage rapide à... Oh là 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 là. Déjà que c'est... ce genre de quête où il parle beaucoup, c'est pas des plus... c'est agréable, mais en plus il nous laisse pas nous TP, donc on va devoir prendre... Blablabla, oui. J'adore ces sponges qui pop juste devant toi. Reset, elle est très discrète à l'écran. Ça fait vraiment penser à Poppy, hein. Ça nous permet de repasser. Je trouve que il y a quand même pas mal de ralentissements, hein. On voit que la Switch elle est clairement à sa limite là.
arrive. Ok. Voilà, c'est... Bref. On va finir par se battre. Hein. Alors... Infiltrez-vous par l'accès et vainquez le gardien-chef. Donc, la quête, ça va être quoi? Ça va être d'un point A à un point B. Et au final, un combat. Alors, moi, mon sens de l'orientation de dingue... Heureusement, il y a le trajet de quête. Mais... Oui, ils nous font venir jusqu'ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas se TP. Hein. Ils nous font venir jusqu'ici pour nous faire repartir. Hein. Après, ça va sûrement monter le niveau de classe de Reset qui va passer de 10 à 20. Donc, évidemment, c'est très important. Mais les quêtes en elles-mêmes ne sont pas souvent ultra intéressantes. Hein. Joyeux bordel, enfin bref. Ça j'ai déjà fait, je m'en fous. Ah, je me demandais justement. Parce que c'était les Golvol parce qu'il me manque. Parce que c'était. Je savais que j'en avais déjà croisé. Je sais plus exactement comment ce sont de nouveaux mobs. Je sais plus exactement où. Et j'en ai besoin pour mes gemmes. Donc voilà. Hein. Je sais plus exactement ce dont j'ai besoin pour mes gemmes, mais les Golvol que je vais voir sur mon passage, je vais quand même les faire parce que j'ai besoin. À vérifier.
est-ce qu'ils me font? Allez. D'accord, bon. Ça, quand même, ce genre de quête, c'est typiquement le genre de quête. Si t'as pas l'aide, trajet de quête, c'est-à-dire si tu désactives, tu peux y passer une éternité. Hein. Ça, ouais, si vous avez joué au 1 ou au 2, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, il n'avance pas, c'est... Ah, franchement, ça... Ça a beaucoup de ralentissement. Et le bateau se TP pas forcément, même pas du tout, là où tu sautes. Hein. Ce serait sympa s'il pouvait se TP dès que tu te mets à l'eau, mais non. Vous voyez la lenteur quoi. Putain, la nage, je crois qu'elle est à 50%. Je sais plus. D'augmentation. Hein. Je regarde, tiens. Talent de groupe. Là où la nage. Ouais, 50%. Enfin, ça a déjà augmenté. Vous voyez les ralentissements. Clairement, ce genre de quête, moi je dis pas non hein, au trajet de quête. Hein. Tu peux pas te TP, je sais pas où c'est. Je vérifie quand même au cas où j'aurais loupé un point de TP même. Non, non, non. Donc on m'oblige vraiment à faire tout ça à la nage. Ou alors à l'MTP là où il y avait le bateau. Du coup, je crois que je vais passer les moments où ils parlent. Parce que tout le temps, qui me font perdre là en nageant. C'est vraiment pas... C'est pas fou. Hein. Ouais, voilà, voilà. Et sinon, vous, ça va comment? Bien? Parce que là, on a le temps de discuter, hein, en fait. Hein. Ah, c'est pas une quête FedEx. Hein. Vraiment pas. Hein. Ah, c'est plus du colis privé. Là. Est-ce que c'est long? N'avance pas. Non mais limite là j'ai envie de couper, d'avancer et de reprendre la vidéo pour vous montrer à l'arrivée quoi. C'est... Ils sont fins, c'est pas possible quoi. Et il était où le bateau? Où était le bateau? Aussi, regardez-moi ce truc quoi. J'arrive même pas à retrouver le bateau moi dans toute cette
toute cette connerie. Bref. Allez, on va dire que j'ai fait le plus dur, hein. Vous pouvez apprécier les ralentissements. Il est à l'arrêt. Mais oh. Je répète, hein, le jeu t'oblige, hein, vraiment. Je t'oblige à faire ça. À taper tout ça à pied. Là, et là, en fait, moi, je suis sur mon joystick pour qu'il court, hein. Vous avez, c'est fou, quoi. Non, mais toi, tu me lâches, c'est bon, ça suffit. J'ai autre chose à foutre. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent être chiants, les rebelles. Oh. C'est quoi ça? Falcon, non. Je regarde pour les gemmes, bien sûr. Ce genre de RPG avec gigantesques, les maps gigantesques, enfin tout ça. Sur Switch, c'est, ah, je dirais que c'est presque un gâchis, quoi. Ce jeu-là sur une next-gen, ce serait une tuerie. Bon, les pipitos, mais ils sont trop mignons. J'ai toujours du mal à. Alors Squaror. Au final, j'en ai besoin pour les gemmes. Et ça aussi, hein, le côté sadique. Pour les gemmes, ils vont toujours vous demander d'aller chercher des monstres tout mignons, quoi. Des armas, des pipitos, des squaror, enfin, des lapix, des écureuils. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait le 2. Le vice, quoi, nous faire nourrir lardon pour à la fin que ce soit un punching ball qu'on allait farmer vraiment en end game voire en new game plus. Enfin, il y en a qui avaient trouvé moyen de le tuer tout bébé, donc tout le monde n'est pas aussi sensible que moi. Et c'était bloquer l'unique. Bien fait, ça nous apprendra. Ah, là, je crois que... Attends, voir. Ouais, mais c'est cool maintenant que je suis arrivée. J'aurais peut-être dû... switcher sur plusieurs maps. Ouais, elle est pénible, Risette, là. Elle prend un peu de place. Allez, je passe, ça, j'ai perdu trop de temps. Alors, infiltrez-vous par l'accès, machin chose. On est à combien là? Ça va. Incredible.
Voilà. On va être reparti pour un combat. Quelle surprise! Alors voilà, qui est terminé. C'est bizarre, je pensais vraiment que ça allait donner... Je suis un peu déçue, je pensais que ça allait donner à Reset, que ça allait lui augmenter son... passer de 10 à 20, comme ça l'a fait pour tous les autres... pour tous les autres héros, mais non. Ça viendra. Vérifier. Donc voilà. Bon, au final, ça n'a pas fait ce que je voulais, mais vous avez eu le plaisir de me voir nager pendant 10 bonnes minutes. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.